C'est sympa d'inviter des gens à dîner, et en plus qu'ils se proposent d'amener le plat principal. C'est sûr. Finis tes lasagnes, ma chérie. Hein? Elles sont vraiment délicieuses, vos lasagnes. Hein. C'est vous qui les avez faites? Non, c'est du surgelé, je les ai récupérées au drive ce soir. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, ils en ont ouvert un là au centre commercial. Là. Et vous y allez souvent? Oui. À chaque fois que j'ai des courses à faire. Je les ai commandées hier soir en ligne, je suis passée les chercher tout à l'heure. Je ne m'embête plus, c'est génial. C'est super ça. Nous n'avons pas d'ordinateur. Non. D'ailleurs, je ne sais pas si on s'en servirait pour faire les courses. Moi, je suis assez sceptique sur cette manière de faire. Si vous saviez le temps qu'on gagne, pas besoin de faire la queue. Ouais. Moi, je déteste faire les courses. Bah là, au moins, on n'a pas besoin d'y passer 3 heures. Et même moi, je suis content d'aller chercher les courses, c'est vous dire. Enfin, vous ne pouvez pas choisir vous-même vos produits. Moi, quand j'achète de la viande, j'aime bien voir ce que j'achète. C'est la peine de couleur, j'en veux pas. Oui, mais quand même, pour tout ce qui est lourd, c'est bien pratique. Vous arrivez, ils vous mettent tout dans la voiture, en 3 minutes, c'est fait. Oui, mais quand même, il me semble qu'il n'y a pas tous les produits. Nous, on est habitués avec les filles, on a nos marques, nos habitudes, et vous trouvez tous les produits. Tout le temps. On ne trouve pas toujours tous les produits. Oui, c'est ça. Mais au moins, il n'y a pas de tentation. Ah. Moi, je sais pas comment vous faites avec les vôtres, mais moi, avec les miens, à chaque fois, il faut acheter un truc en plus. C'est ça, exactement. Au moins, là, il n'y a pas de surprise, de crise dans les rayons. C'est quand même intéressant, ça, hein, parce que... Mais comment vous faites sans ordinateur? On peut s'en passer, vous savez. Ouais. Ça va toujours passer pour l'instant. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on s'en sort. Excusez-moi, madame. Oui, mon grand. Est-ce qu'on peut aller jouer dans la chambre de Mélanie? Si maman est d'accord, pour moi, c'est OK. J'ai des super jeux sur ma tablette. Cool. Les enfants, vous êtes sages. Et puis Théo, tu prêtes ta DS, d'accord, s'il te plaît? Oui. Bon, allez, jouez. Allez-y. Bon, allez-y. Allez, jouez. Oh, oh, trop cool, t'as vu, je suis au niveau 40, j'ai battu mon record. Ah ouais, ça a trop cool, mais je connais pas. Oh, mais vous y allez fort, là. Non mais Internet, c'est quand même magique. Tenez, par exemple, ne serait-ce qu'au collège, ils ont mis en place le carnet de texte électronique. Je parle avec Chloé, il m'a dit que Dorian était absent et qu'il ne sera pas là pour le contrôle demain. Ben, je sais. On l'a bien vu, il n'était pas en cours aujourd'hui. Moi, ça me rend malade, moi, tous ces jeunes là, sur leurs appareils. Non, connectés en permanence, ils y passent des heures. Résultat, ils n'ont plus rien à côté. Plus de lien social, pas de... Ça existe. Hein. Ils sont scotchés là, ouais, sur leurs écrans. Ouais. Ils vont même jusqu'à cacher leur mot de passe de leur compte Facebook à leurs parents. C'est le monde à l'envers. C'est mis en ligne aussi par leur professeur. Hein. Ah non, mais moi j'aurais l'impression de fliquer sans arrêt mes enfants là. Tu connais le jeu Equidéo? Mais c'est super! T'élèves des chevaux, tu diriges un centre. Il faut que tes chevaux soient en bonne santé et après, tu pourras participer à des grands concours. Et tu te fais plein d'amis aussi dans ce jeu. Moi, j'ai pas envie de ça pour mes gosses. Ah non, attendez, on limite l'utilisation aussi. Il y a contrôle parental aussi. Enfin, ils ont pas accès à tout. C'est une porte ouverte sur le monde aussi. Oui. On n'a pas les moyens de voyager et de leur payer tous les cours qui leur plairaient. Vous vous rendez compte? Non. Et puis, je vais vous dire autre chose aussi. Ben, c'est quand même un bon moyen de pression. Oui. Quand on commence à leur dire qu'on va supprimer la télé pendant une semaine, ben, je vous garantis qu'ils font attention à leurs notes. Ouais. Hein. Bon, sûrement. T'as pas Internet? Mais comment tu fais? T'as pas entendu à table? Mon père l'a dit, mais t'écoutais pas. T'étais sur ta tablette. Tu dis que je suis sur ma tablette, mais toi, tu fais quoi pour passer le temps? On sait tous qu'il y a des dangers dans les abus. Puis dans le fond, les abus... Ouais, on parle d'abus, là. Il commence un petit peu à se vider un petit peu là, un petit son d'or, il est bon. Tu l'as pris où ce vin là? Ben, je l'ai pris chez mon agriculteur à côté. Écoute, c'est super bon, ça vaut bien un ordinateur. Ben nous avec Anaïs on lit pas mal, on a des jeux de société. On aime bien cuisiner aussi, on fait souvent des cookies et des muffins. Et moi tu vois, je fais du cheval, en vrai. On va souvent se balader avec nos parents.
à la piscine, au ciné ou au théâtre et chercher les champignons chez nos grands-parents. Ils ont fait une étude sur des bébés qui vivent dans des familles où la télé est allumée du matin au soir. Mais en fait, les bébés sont tellement attirés par l'écran qu'ils oublient qu'ils ont deux mains pour jouer et découvrir le monde. Ah non, mais ça ralentit leur développement psychomoteur. Ah non, non, mais faut pas nier là, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, donc. Oh, si, si. Donc, nos enfants, ils sont tranquilles, ce ne sont plus des bébés. Ah oh, oui, bien bah, ouais. Sûr. Bon, les nôtres se plaignent un peu, c'est vrai. Ah, hein. Leurs copines vont sur des sites qui les intéresseraient. Bah, elles en parlent. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'ils ont grandi. Bah oui. Vous faites tout ça, vous, avec vos parents? Nous, rien. On n'a jamais été au théâtre. Mais c'est pas trop chiant? Non, c'est super. J'en fais même le jeudi soir. Tu pourrais venir? Moi, ça me plairait bien. Mais le jeudi soir, il y a les ch'tis à Hollywood sur W9. Il y a les Simpsons aussi. C'était mon oncle. Mais si. Les enfants, c'est le dessert, vous descendez? On arrive. Est-ce qu'on pourrait prendre le petit déjeuner tous ensemble pour une fois? T'es bien avec ton portable d'habitude. T'as vu, ça y est, ils ont mis le bio à la cantine pour les filles. Mais oui, ils en avaient parlé dans le bulletin municipal le mois dernier. Ouais. Si, c'était noté. Eh, pas. Tu connais les Simpsons? Oui, c'est un dessin animé, c'est pas pour les enfants. Oh non, pas du tout ça. C'est un film américain, là, c'est sur une critique de la société américaine. C'est pas pour vous ça. Canaïs, Pauline et Mélanie, elles font plein de trucs avec leurs parents. Et quoi comme truc? Qu'est-ce que tu veux faire? Théo, il est plus petit que moi et il le regarde. Eh ben Théo, c'est Théo. Ses parents le laissent regarder ça, ils font ce qu'ils veulent. Et puis tu sais, leur lasagne façon ouais, drive, c'était pas génial. Hein. Mais pas, il y a d'autres choses à la télé. Elles vont au cinéma et au théâtre parce qu'elles n'ont pas la télé. Tu veux qu'on t'emmène au théâtre? Ah ben c'est nouveau ça. Ça te plairait? Je sais pas, pour voir, ça pourrait nous plaire. Et tu préfères qu'on supprime la télé et qu'on aille au théâtre? Ah non, il y a les Simpsons. Par contre, moi, je veux bien aller au cinéma. Et puis, c'est moins cher que le théâtre, non? Mais pas, il y a d'autres choses à la télé. Il y a les infos pour vous, au lieu de lire le journal. Et il y a plein d'émissions que nous trois aussi, on peut regarder. Uh-huh. Je sais pas, moi. Sur les animaux, par exemple. Mais du calme, les filles, là. Mais qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Hier soir, on a parlé avec Héloïse et son frère, et elle a l'air bien, leur vie. Bon. Eh bien, il y a un problème dans la famille. Ok, message reçu. Mais au moins la télé, peut-être, pour commencer. Des fois, les profs nous demandent de regarder un documentaire à la télé. Ouais. Et nous, on passe pour des enfants de la préhistoire. Oh, ma pauvre chérie, non mais t'exagères pas un peu, là, hein. On regarde, on est quand même pas une famille de Cro-Magnons. Il y a plein de gens qui vivent sans télé, sans Internet. Comme moi, là, parce qu'ils ont décidé... Vivre différemment, les enfants, mais est-ce que ça nous parle? Bon, faut que je parte. Écoute, Héloïse, on a compris ce que tu voulais nous dire et on en reparlera, d'accord? Oui. Bon, allez, dépêchez-vous, ça va être l'heure. D'un autre côté, c'est vrai que des bons week-ends en famille, devant un bon film ou un bon documentaire, c'est pas mal aussi, hein? Alors, qu'est-ce que tu penses si ce week-end, en allant faire les courses, regardez, si on en trouve une. Eh bien, ça y est, t'as eu, là, les filles. Hein. Et ça veut pas dire qu'elle va rester allumée toute la journée. Hein. Non, non, on ne pas. Trop classe. Mais attends, hé. Et puis les Simpsons, là, c'est hors de question. Oh là là. Bon, ouais. Gracias.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes venu au cinéma en famille? Oui, c'est une grande première. Ouais. Bonjour. Une grande première, si vous saviez. Mais non, Théo n'est pas venu? Non, il est parti faire l'exposé sur Alexandre Legrand chez un copain. Ah, bien. Et Mélanie n'est pas là non plus? Eh bien, non, non plus. Ouais, c'est marrant, elle aussi est allée préparer un devoir, mais de mathématiques, chez une amie. D'accord, ils sont studieux. C'est studieux, c'est bien ça. Je vais prendre des tickets. Mon père s'est décidé quand je lui ai dit que vous y allez souvent. Génial. Et toi, ton père a accepté pour la télé? Oui, on l'a acheté cet après-midi en allant faire les courses. Trop classe. Bon, pour l'ordi, c'est pas gagné. Hein. Faudra un autre pas.